Oui, qui est là? C'est Gauvin Cerf. Gauvin Cerf, t'es tout seul ou ils sont, tout le monde est arrivé? Thierry et Mathias, ils sont là? Ah non, ils sont là, ils sont là. Juste derrière lui. Ah, super, super. Bon, ben je vous ouvre, on parle du prix Moustaki. Les lauréats, les finalistes sont là aussi, ils vont arriver. Si, je crois qu'ils sont juste derrière. Ils sont là, ils arrivent derrière. Il y a tout le monde, il y a un moment, et vous bouchez la route là. Non. Moi, je vous ouvre, il fait froid en plus. Ouais, il pèle. J'ouvre la porte, je vous ouvre. Deuxième étage, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Loft Music. Yvan Cugius. Avec Gauvin, il y avait quelque chose d'assez particulier, c'est que Gauvin venait depuis plusieurs années voir le prix, Georges Moustaki. Oui, et c'est vrai. Ah, c'est vrai, voilà. Tu venais en curieux, comme ça, tu étais dans l'amphi, malaisé. Ouais, exactement, ouais, je trouve que c'est une super initiative, et puis on découvre des artistes, et j'aime bien les découvertes, donc je venais par curiosité, ouais. Ah, super. Et du coup, pour nous, c'était tout naturel de lui proposer cette année d'être parrain de la promotion. Il y avait quelque chose d'assez logique. Et merci à Martial d'être là. Martial Bor, on peut quand même. Martial Bor, fidèle au rendez-vous. Ça fait quelques loft music que tu te tapes à un moment, si j'ai quelques apéros, donc ils vont avec. On commence avec For the Hackers. Bonsoir, les garçons. Merci salut, d'être là. Salut. Alors ben tu sais on va la faire à la cool hein. Vous venez d'où alors? Alors nous on vient de Dieppe en Normandie. Ah mince, je suis désolé de et là il neige. Ce n'est pas le sud. Il doit neiger à Dieppe. Et non, même pas. Non, même c'est pas vrai. C'est un problème, c'est un microclimat alors à Dieppe. Vous existez depuis combien de temps les depuis garçons? Depuis 2010. D'accord. Voilà. Là on a fêté nos 8 ans en janvier. Donc. Ah, jolie route déjà. Ouais. Joyce, Jonathan, c'est ta première en tant que jurée ou présidente d'un jury? Présidente, ouais. T'as jamais été présidente for dans ta vie? First time. De rien, non, de présidente de rien. De chez moi-même quoi. Réveille-toi, reconnecte ça, reconnecte-toi. Réveille ça, reconnecte-toi. Tu te mets à rêver. C'est pas qui t'entraîne. Rappelle-toi, reconnecte tout ça. Mais où t'es-tu perdu? Pourquoi tu ne brilles plus? Ce qui a évolué, c'est qu'on y arrive de mieux en mieux, forcément, parce que le prix avance, le prix prend de la bouteille, et tant mieux. Et puis il a une notoriété, maintenant, ce prix Georges Moustaki, qui nous honore et qui correspond à ce qu'on voulait lui donner. Alors après, si les grands labels veulent venir. Picoré parmi nos lauréats, bienvenue. Comme mon tour, elle m'entraîne, m'attire loin de nous. C'est tout, elle m'intéresse. C'est arrivé, il y a des artistes, que je pense notamment à Alioz, qui a été finaliste en 2013 et c'est qui a vrai. Signé chez Warner Music. Donc voilà, nous, on n'encourage pas les artistes à rester absolument dans l'indépendance. C'est pas du tout le bien but sûr, non plus. Et effectivement, ce que tu disais, c'est très juste, c'est de leur donner une exposition. Mmh. Puisque les professionnels se déplacent rarement après, évidemment. Ils sont sollicités eux aussi, donc c'est pas évident d'être partout. Donc nous, on a choisi de faire l'inverse. On fait venir 7 finalistes devant un parterre de professionnels. Les larmes, une seconde après la bas. Dis, t'es pressé, t'as nulle part où aller. Qu'est-ce qu'il arrive quand tout fout le camp? Plus d'après, plus d'avant. Moi, je me sens bien. J'ai juste peut-être un peu beaucoup de voix. Mais du coup, ouais, j'ai un peu beaucoup de voix. On lui trouvera des raisons. C'est cool pour vous d'abord. Un jeune homme sans histoire, hors de l'histoire. Il y aura des explications aux 20h, des proches qui pleurent, des points rangeurs, des vidéos pirates, des slogans vainqueurs. Bientôt, les emballages médiatiques, absence de rhétorique, terreau propice au terrorisme, guerre, économie. Alors comment vous sélectionnez ce jury, Mathias Vincenot? Déjà, on veut que le jury soit nombreux, parce qu'un jury nombreux, c'est une condition importante pour qu'il soit incorruptible. C'est pas possible quand on est à 40. Et puis, qu'il soit divers. Donc nous, on fait venir des gens qui viennent d'un peu partout, d'univers très différents. Ok. Moi, je te prendrais bien un poil plus de pad. Je veux bien du Roland aussi, moi, dans le temps. Je veux le riz. Et un peu de kick. Encore un petit peu.
On dit comment, tiens, Thierry Cadet, concurrent, non? Non, on dit des artistes, simplement, je pense. Ouais, bon, d'accord, tu m'as calmé, là. Ok, d'accord, bien, ça va. Bien, moi, je vais y aller, moi, je pense. On a le temps de faire les deux morceaux? Ok, cool. On y va, vous avez des requêtes, les filles? Le premier, c'est chaud, c'est le désert d'Atacama, c'est 28 degrés. Ah, ça cool. 32. Ah bon, j'ai regardé aujourd'hui, il fait 28 degrés à San Pedro d'Atacama. Tu peux dire 32. Non, je dis que la vérité. J'ai traversé le désert, pays fêlé de cuivre et de fer, mais tu n'étais pas là. Oh, 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 oh. Traversé la cordillère, des sables. Le prix du public est pour Gervaise. Ouais, on va appeler Gervaise. Que Gervaise nous rejoigne. Je suis extrêmement émue. Voilà, ça fait un moment qu'on travaille avec mes deux musiciens, mes deux super musiciens, Olivier Le Gall et Stéphane Minier. On peut les applaudir encore une fois. Donc, ça me touche beaucoup. Et j'aimerais remercier aussi, parce qu'il est là ce soir, Denis Piednoir, qui a aussi arrangé mon EP. Merci Denis. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à vous, merci. Alors, le prix du jury est attribué à Gatika. Alors, Gatika va nous rejoindre. Le discours de la win. Voilà, c'est ça, je me suis fécondée parce que j'ai pas écrit un discours de la win. Mais je voudrais déjà remercier tout le monde, tout le jury, évidemment. Je tiens aussi à parler de François Goertz, avec qui j'ai fait ce disque, puisque c'est le disque qu'on récompense aussi, enfin surtout d'ailleurs. Et François Goertz l'a réalisé avec moi, il a pris ce risque avec rien au départ, puisque j'étais censée avoir des sous pour le faire que je n'ai pas eu. Donc en fait, il m'a dit on y va quand même. Donc je le remercie très très fort, il n'est pas là ce soir, mais voilà. Quand on se lance dans un projet comme ça, d'autoproduction, d'indépendance, etc., on se sent souvent seul, c'est vrai, seul à porter un projet un peu lourd. Mais en fait, il y a eu quand même énormément de moments où je me suis rendu compte que je n'étais pas si seule que ça. Je ne peux pas me lancer dans une liste de noms parce que ça va être long et je vais en oublier, ça va être affreux. Mais déjà, il y a mes musiciennes qui me suivent et qui sont géniales. Il y a eu beaucoup de monde autour de moi, en fin de compte, notamment tous les musiciens qui sont sur ce disque, qui sont venus gentiment, qui m'ont dit oui et qui ont pris le temps. Guillaume Farlet, Fixie, oulala, ça y est, je vais en oublier, c'est affreux, où le disque. Lola Malik, bien sûr, Komagar, oui, Ali Makadi, et voilà. Je suis la reine du monde.